Coucou mes choupinettes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, voilà. Et oui, voilà, mes cheveux ont poussé, comme vous le remarquez, vous le constatez, voilà, ils ont poussé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo, je vous montre qu'est-ce que je mets sur ma tête, voilà. Parce que vraiment, je pensais pas que ça allait pousser aussi vite, vraiment aussi vite. Et ils sont mous, ils sont pas durs, ils sont fins, voilà. Je suis vraiment contente, en fait, satisfaite de. En fait, c'est différent des cheveux que j'avais. Hein. C'est vraiment différent. Moi, j'aime bien. Voilà. Voilà, c'est parti. Voilà, déjà, j'ai mon aloe vera. Voilà, je vais prendre le petit gel qui est à l'intérieur, juste pour frotter dans les bords avant d'appliquer ma lotion. Et ce que je mets sur ma tête pour faire mes soins, voilà. J'ai déjà l'aloe vera naturelle, voilà. Je vais prendre son gel que je vais appliquer sur les bords purs, hein, sans rien faire. Je vais juste l'appliquer sur les bords avant de mettre mon produit miracle. Et oui, c'est grâce à ça que mes cheveux ont envie de pousser. Voilà. Je vais appliquer sur les bords. En fait, il n'y a pas assez. On peut l'appliquer sur tous les cheveux. Mais comme il n'y a pas assez, c'est difficile d'avoir l'aloe vera ici au Gabon. Donc, voilà. Voilà, je vais vous présenter des beurres, des huiles faites à base des beurres des vaches de d'Éthiopie. Bon, en tout cas, c'est une dame qui fait ça. Elle fait venir ses produits d'Éthiopie. C'est vraiment très, très efficace. C'est ce qui m'a fait pousser les cheveux. Normalement, un pot, on le met sur la tête. Un pot, c'est pour un masque, voilà. Mais moi, quand j'ai pas beaucoup de cheveux, voilà, j'avais utilisé juste un peu, donc j'ai gardé. J'utilise un pot pour deux fois. Ils sont à 2 500, donc si vous êtes intéressé, contactez-moi. Ils sont vraiment, vraiment géniaux. Mais par contre, ça a une odeur très, très forte. Très, très forte. Ils sont des vrais bons produits parce que c'est fait à base des produits naturels. Il n'y a rien de d'industriel en fait dedans. Donc, je vais vous montrer comment j'applique. Voilà, elle m'avait demandé, tu sors, voilà, c'est comme ça. Faut pas le laisser se dégivrer, voilà. Voilà à quoi il ressemble. Voilà, je vais le mettre sur la tête. Je vais laisser le beurre fondre. Je vais laisser mon beurre fondre vraiment. Oh, c'est bien glacé. Oh là. Je vais le laisser fondre, bien fondre, et puis je vais vous montrer. En fait, le laisser fondre, c'est long. Donc, moi, je vais appliquer comme si j'appliquais du savon. Voilà. Je vais l'appliquer sur toute la tête. Vraiment, la première fois que je l'avais utilisé, j'étais vraiment trop satisfaite. Vraiment trop, 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 vraiment trop. Hein. Oui, trop satisfaite. Ça m'avait fait du bien aux cheveux. Donc, je me suis accrochée à ça. Voilà, je fais mes soins toutes les 2 semaines, d'après ce que la dame m'avait dit. Voilà. En fait, normalement, il doit fondre tout seul. Mais moi, je trouve que c'est long, comme je n'ai pas assez de temps. Voilà, je suis un peu fatiguée là. Donc, je vais le frotter comme ça, pour que ça passe un peu sur toute la tête. Vraiment. Voilà, tout a fondu. Voilà, maintenant il faudra masser. Vous avez vu, il faudra masser ses cheveux, masser avant de mettre de les couvrir en fait. Voilà, avant de les couvrir, il faudra bien les masser. Voilà, regardez, exactement. Voilà. C'est vraiment trop bien pour les cheveux, quoi. C'est vraiment trop bien pour les cheveux. Surtout pour celles-là qui sont les nappies, c'est vraiment trop bien pour les cheveux. En tout cas, la dame, elle a beaucoup de marques de produits. Elle a beaucoup d'huiles de qualité. En fait, il y a les produits sans rinçage, il y a des huiles, il y a des gommages pour les cheveux. Elle ne fait que dans les cheveux crépus, les nappies. Voilà. Et moi, j'étais satisfaite de ce produit-là. Donc, je vais sûrement prendre un produit sans rinçage. Voilà. Je vais garder ça comme une crème pour mes cheveux. Voilà.
petit truc glacé là, ça fait du bien. Ça fait du bien sur la tête, ça fait du bien, ça fait du bien. Vraiment, je vais maintenant, mais je vais juste masser et couvrir mes cheveux pendant 1 heure du temps, 2 heures du temps. Et je vais les rincer à l'eau tiède. Maintenant, la dame a dit, on peut les rincer à l'eau froide, en fait, rincer pour, à l'eau froide pour que tout le beurre ne quitte pas, en fait, pour que tout le beurre ne quitte pas des cheveux. Parce que si on met à l'eau chaude, le beurre, c'est l'huile, donc tout ça va quitter. Donc, c'est à vous de voir. Moi, comme j'ai d'autres choses à mettre après, donc je vais rincer à l'eau tiède. Le goût. Je gratte pas avec les ongles, hein. Je gratte avec les peaux des doigts, là, comme ça, voilà. Je gratte pas avec les ongles parce que tu peux te blesser. Voilà, j'ai fini mon massage. Je vais utiliser mon plastique. Voilà, je vais couvrir ma tête pour 1 heure de temps, 2 heures de temps. Vous pouvez utiliser le papier film. Papier film, moi je l'utilise parce que il arrive bien à ma tête, c'est bien juste.